Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nabdou, bienvenue sur Chanel Samuel Joseph Edu. Dans la leçon passée, nous avons vu comment nous sommes capables d'ajouter dans Excel, ajouter éléments. Je dis, nous avons vu comment nous sommes capables de retirer, effacer ou bien supprimer éléments dans Excel. Avant de nous aller plus loin, si vous êtes nouveau sur Chanel, n'oubliez pas d'abonner, quitter un like pour nous, commenter vidéo nous, partager nous, surtout, cliquez sur la cloche notification pour capable joindre toutes les vidéos que nous avons publiées. Premier bagage, après, comment nous sommes capables d'effacer caractère dans une cellule. Pour moi, effacer caractère dans une cellule, moi sélectionner cellule là, ça veut dire moi cliquer sur lui et puis moi faire backspace. Là, tout contenu cellule là les supprimer. Deuxième bagage que nous sommes capables de faire, moi cliquer sur cellule là, moi cliquer sur barre de formule là et puis moi fait backspace pour effacer tant qu'on tape effacer dans Word. Après ça moi fait enter. Troisième bagaille que nous capable faire c'est faire double clic, OK, et puis me déplacer curseur là et puis moi tourner faire backspace. Nous ouais trois façons moi capable effacer dans une cellule. L'autre ça n'a c'est comment nous capable nettoyer toute cellule qui actif yo, cellule qui gagne caractère yo. Par exemple, moi j'en ai dans l'autre feuille de calcul, moi gagne un tableau ça. Moi pas ta besoin ça que là yo encore, moi ta veux supprimer tout ça qui là yo et bien qui ça me fait, moi sélectionner tout ça me veux supprimer ya, moi sélectionner tout tableau là, moi fait delete sous clavier ya. On prend sous clavier ya et en le bouton backspace là, on prend touche qui marqué delete ou presser li et puis tout a effacé. Ou bien moins fait, moins fin sélectionné, moins fait clic droit, et puis moins choisi clear contents, effacer le contenu. Moins fait clic, tout contenu en lit effacé. Ça, c'est pour me retirer ou bien effacer ça qui n'a plusieurs cellules qui active. Nous prenons le reconnu, comment moins capable effacer une ligne ou bien une colonne. N'a prend ligne d'abord. Pour moi, effacer une ligne qui ça me fait moins sélectionner ligne là moins fait clic droit et puis moins fait delete. Ça c'est premier bagaille. Deuxième bagaille, moins sélectionner une cellule dans ligne là moins fait clic droit moins fait delete. Li mande qui ça me veut effacer et bien moi dit m'a effacer la ligne entière. Après ça me fait OK, ligne là, li effacé. Troisième façon, moins capable mettez moins sélectionner yon cellule là ligne là et puis moins venir en l'air à là, moins cliquer sur delete, nous fait delete sheet rows. Clap, moins supprimer ligne. Pour colonne, m'a fait même bagaille là, moins sélectionner toute colonne là moins fait clic droit et puis me choisi delete colonne à aller ou bien moins sélectionner une cellule en dans colonne moins fait clic droit moins choisi delete li mande qui ça me veut effacer moins dit m'a effacer une colonne entière après ça me fait OK colonne aller. Troisième bagaille, moi tourner sélectionner une cellule en dans colonne là, moi aller dans bouton ça là dans outil ça qui c'est delete, moi cliquer et puis me dit m'a supprimer colonne ça, delete sheet columns. Et puis me fait clic, voilà colonne là lui-même li effacé. Donc alors comment capable effacer une feuille calcul. Pour m'effacer une feuille de calcul, ça c'est feuille qui active là, moi fait clic droit sous lit et puis me fait delete. Voilà, il m'a demandé est-ce qu'il voulait supprimer ça. OK. Ou bien feuille active, moi venir là, me choisi delete et puis me dit delete sheet, supprimer la feuille. Est-ce qu'il voulait supprimer sélection hein? Oui. Voilà, continuez sur ma chaîne noire, à la prochaine.